Yaka, yaka, sali sangayu, moli moe, moli mo santu, yaka, 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 yako sunangayu, moli moe. Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas, na kachaba analyse ya souka. Souka na souka donc. Mes chers amis, ezana bandeko, il y a des frères qui m'ont posé des questions en direct de Finlande et de France. Ils veulent déménager ici au Canada. M'ont posé les questions concernant la province et le travail. Il y a l'autre qui m'a posé la question concernant les études. Alors, si vous venez étudier ici, la chaîne ici est pour vous. Si vous venez pour travailler également, je peux vous orienter avec des vidéos. Si vous venez juste pour vous balader, ça ne sera pas moi. Alors, suivez-moi jusqu'à la fin pour comprendre le but de l'émission ici. Partagez la vidéo si vous aimez le contenu. Botia ba j'aime, ceux qui vous appellent une émission. Ceux qui n'ont pas abonné, botia ba abonnement, bo s'abonner puisque c'est la place qu'il faut pour la motivation. J'ai constaté d'abord dans notre communauté que tout le monde est presque dévergondé. Quand on parle de polémiques inutiles, tout le monde est là. Mais quand on vous amène des innovations, des motivations, les gens s'échappent. C'est pour cela que notre communauté n'évolue pas, puisque il n'y a pas de personnes qui sont capables de relever la communauté. Tout le monde est dans la bassesse. Tout le monde est dans des polémiques. Alors, mes chers amis, le Canada est un grand pays, comme vous le savez, avec moins de 40 millions d'habitants, pendant que les États-Unis, c'est 400 millions. La France, c'est 67 millions. Donc, la France, c'est 1,5 fois plus nombreux que, plus peuplé que la France, que le Canada. Donc, encore une fois, si vous voulez déménager au Canada, le Canada est large comme la France. Il y a des provinces et des territoires. Si vous venez pour travailler, directement j'entre dans le sujet. Si vous voulez vraiment déménager juste pour travailler, vous voulez vivre au Canada et travailler, je vous prierai de chercher les provinces où l'économie est stable. Chaque province a sa façon de faire les choses. Chaque province a son économie. Alors, je vais vous conseiller, ça c'est selon moi, je peux me tromper. Si vous arrivez à Colombie-Britannique, là, il y a une diversification du travail. Il y a les ports, il y a les bois, il y a la manufacture, il y a les entrepôts, il y a la construction, comme le Canada, c'est un pays qui est en développement. Il n'y a pas de population et c'est un pays qui dépend de l'immigration. Comme il y a toujours tendance d'avoir plus d'immigrés chaque année, donc dans la construction, que ce soit quand je parle de la construction, je parle de menuisiers, charpentiers, maçons, plombiers, électriciens et tout consort, les soudeurs, tous ces gens-là, c'est un corps qui fait vraiment de l'argent ici au Canada, partout, et également à Colombie-Britannique. Colombie-Britannique, il y a tout. Même le pétrole, il y en a. Si tu es quelqu'un qui est bien, qui travaille dans la mine, si tu travailles dans la mine, je vais te demander d'aller dans la prairie. Vous allez, par exemple, à Saskatchewan ou Nouveau-Brunswick, pendant des temps en temps, mais Saskatchewan, il y a vraiment de la mine. Là, ils travaillent les minerais, c'est Saskatchewan. Si tu es quelqu'un qui est agriculteur, il y a une ferme, être avec des bétails, ngombe, des chèvres, des moutons, mais et puis aussi des produits également, il y a légumes, toutes ces choses là dans la prairie, ça peut être en Alberta, Saskatchewan, Winnipeg également. Donc, si vous voulez travailler, il y a chacun a sa façon, chacun a son résumé. Si tu veux travailler dans la manufacture, c'est partout au Canada, mais spécialement à Toronto, Ontario, Colombie-Britannique, vous allez trouver de tels travail. Si vous êtes quelqu'un de forestier, forain, presque partout au Canada, mais spécialement
Nouveau-Brunswick, vous allez Saskatchewan, vous allez également avant à Colombie-Britannique. Ça c'est gâté vraiment, c'est tout, il y en a tout. Maintenant, si tu es femme seule, soit tu es homme seul, tu as les enfants et que tu veux immigrer ici, la province qui va vraiment te servir bien sans problème, c'est Québec, la province du Québec. Maintenant, quand vous allez au Québec, je vais vous donner un conseil. Si vous allez dans toutes les villes en général, si vous êtes encore nouveau, n'habitez pas dans des grandes villes comme Montréal, Vancouver, Toronto. Allez dans des villes périphériques, dans des quartiers banlieues. Vous allez trouver le coût de logement un peu moins cher par rapport à par rapport. Je pense que vous avez compris mon message. Alors, si vous voulez venir ici et que vous ne voulez pas également vous biter avec, les problèmes de langue, si vous parlez seulement l'anglais et le français, et que vous vous sentez vraiment bien, les provinces qui parlent, qui sont bilingues au Canada, c'est la province de Nouveau-Brunswick et la province du Québec. Donc, si vous allez dans les deux provinces-là, vous serez capable de parler français et anglais en même temps. Mais si vous, vous voulez vraiment parler toutes les deux langues, Nouveau-Brunswick et la ville de Montréal également, ça sera mieux pour vous. Donc, soyez prudent, faites des recherches avant de déménager. Ça, tout ce que je vous fais ici, je ne suis pas expert dans toutes ces choses ici. Je vous donne les idées selon moi, selon également mes connaissances ici au Canada. Si vous venez maintenant étudier, vous venez étudier. Si vous voulez vraiment étudier en français, allez au Québec, Nouveau-Brunswick, des fois à Toronto, aussi de certains collèges qui dispensent les cours en français. Mais en tout cas, à l'Est, ça vous sera facile. Et puis, si vous avez difficulté d'intégration, la province francophone, Québec et Nouveau-Brunswick, ça sera bien pour vous puisque c'est le français. Vous n'aurez pas beaucoup de difficultés quand il s'agit de l'anglais. Maintenant, si vous voulez venir vivre ici, juste pour vivre, ça, la vidéo, elle est vite faite, mais je pense que je vais la développer très prochainement. Si vous voulez venir vivre, soit avec votre famille, vous voulez vraiment vous établir au Canada pour longtemps, ça, c'est maintenant un autre sujet. À ce point-là, il faut bien regarder. Si vous avez, par exemple, la famille, vous avez les... Ok, si vous êtes encore célibataire, vous voulez vivre la vie du Canada. Il y a toutes les provinces, il fait froid. Mais les villes où il ne fait pas vraiment froid, c'est la ville de Colombie, la ville de Vancouver et Victoria. Si vous arrivez dans les villes là, vous allez, il y a peut-être 2 mois ou bien 1 mois où il fait froid, mais pendant les 10 ou 11 mois, vraiment la température est vraiment bonne. Vous n'allez pas regretter, vous n'allez pas souffrir avec le froid. Donc, si vous voulez venir vivre ici, si vous n'avez pas peur de dépasser un peu d'argent pour vivre dans un climat qui est vraiment ambiant, un climat qui est vraiment un peu chaud, je pense que Colombie-Britannique, les deux villes que je viens de citer, Victoria et Vancouver, se situent à Colombie-Britannique. Mais si Koyo, ceux qui ont Yenabana, famille Mobimba, tu viens avec la famille, toi, les enfants, la femme, la place où, qui sera mieux pour toi, pour mieux te développer, ça dépendra de toi. Puisque il y a les gens qui veulent vivre là où ce n'est pas. Il n'y a pas de surchauffe, il n'y a pas beaucoup de gens là où c'est calme, là où c'est doux. Si vous voulez de tels endroits, allez au Nouveau-Brunswick, par exemple, c'est francophone, il y a aussi des travails, et puis il y a beaucoup de l'espace, et puis c'est calme, il n'y a pas beaucoup d'activités de la nuit. Les côtés comme Nouveau-Brunswick, Saskatchewan, ce sont des provinces qui n'ont pas beaucoup de gens. C'est à peu près 1 million d'autres, et l'autre province, c'est 750 000 à population. Donc, si vous voulez là où il y a de la chaleur, le chauffage, chauffer, allez à Montréal, allez à Toronto, allez à Vancouver. Là où ça chauffe comme ça, là, vous allez aussi dépasser beaucoup. Donc, ça dépend de vous. Moi, j'ai toujours conseillé à ceux qui immigrent ici avec la famille de chercher, puisque vous ne connaissez pas comment le monde marche, le fonctionnement du Canada, vous ne connaissez pas. Vous, tout ce que vous connaissez, c'est ce qui se passe sur les réseaux sociaux. En tout cas, si vous voulez protéger vos enfants, vous voulez vraiment les protéger, allez dans des provinces où ce n'est pas des provinces les plus chaudes, où il y a l'activité, il y a des activités, beaucoup d'activités. Ça va vous aider vous-même
à vivre dans une température qui est vraiment calme. Les enfants seront aussi éduqués dans une manière calme, pas beaucoup, beaucoup de gens qui vont intervenir dans vos relations avec les enfants. Toutes ces choses-là sont des choses à calculer. Moi, personnellement, si c'est moi qui quittais l'Europe, par exemple, pour le Canada, soit l'Afrique pour le Canada, si je suis avec la famille et les enfants, je vais bien regarder d'abord qu'est-ce qui est important entre nous, tout ça. Il faut d'abord chercher l'économie, là où la province où l'économie est forte. Dans tout le Canada, ce n'est pas là où partout il y a le travail. Il y a là où il n'y a pas de travail et puis il y a là où il y a travail. Les provinces où il y a travail, Saskatchewan, il y a beaucoup de travail comparativement au Nouveau-Brunswick. La province, le poumon du Canada, je peux dire, c'est l'Ontario, Toronto, avec la plus grande ville, comme New York, notre New York ici, c'est Toronto. Maintenant, quand il s'agit de la province la plus riche, c'est Alberta, parce que le pétrole, là, c'est dégâts. Et puis, la province de Colombie-Britannique, il y a des fois, les gens disent que c'est le poumon du Canada, puisque beaucoup de recettes viennent de la province ici. Il y a beaucoup de travail. En tout cas, les provinces du Canada ont presque tout. Il y a d'autres provinces où il n'y a pas de travail. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de travail. Les gens, les patrons se découragent d'ouvrir les compagnies puisqu'il n'y a pas de personnes pour faire le travail. Si tu veux venir ici travailler seulement, par exemple, tu n'as pas d'études, tu n'as pas beaucoup de diplômes, tu n'as pas besoin d'écouter tout, tu n'as pas peur de te salir. Tu veux travailler, seulement travailler, aller dans le secteur de pétrole, ou bien si tu as un permis de conduire de poids lourd, jette-toi dans le poids lourd, ou bien permis de ça, tu vas te retrouver pétrole, secteur de pétrole et gaz, ou bien dans la conduite de camions, poids lourd. Là, c'est là où tu vas te retrouver. Tu n'as pas besoin de beaucoup de diplômes, c'est seulement des petites certifications. Tu es permis de conduire, c'est un certain certificat. Alors, quand tu as cela, tu ne vas pas regretter ici au Canada. Ça, c'est la petite vidéo où on a dit que c'est l'oba demande Nabino. Je pense que Bosepeli, Namtu Nabino Gilmas, vous continuez toujours à s'abonner, à soutenir la chaîne Oyo, parce que Makambo, on a comme Melabino, il faut toujours supporter.